perfect dawn. Please don't come here and save us, Mr. Intentional. Il y a boum. Moi, c'est pareil, hein, j'ai pas le temps. En même temps, je savais pas que c'était là-dessus, donc. Voilà. En général, les mecs qui parlent comme ça, c'est pas bien, mais effectivement, vu. Excusez-moi, je suis pas une femme, mais. J'ai vécu mon adolescence dans les années 80-90. Et déjà, c'était assez compliqué par rapport au milieu d'où je venais et les pays dans lesquels on vivait. Mais au vu de la société d'aujourd'hui, je me dis que ça va être encore plus compliqué pour eux. J'ai failli la rentrer. Mais elle n'emmène pas que dans les traquenards. Tu vois, même René, c'est un mec, au départ, il est complètement introverti. Cette culture de l'instantané et cette mère et cette France qui mange ses enfants, qui les prostitue, qui les tue aussi, quoi. J'ai forcé le trait exprès. De la même manière que j'ai forcé le côté violent, le côté. En fait, si tu veux, moi, concernant, ça m'a mis un impact. Et je pense que ça peut. Spontanément, etc. Mais je me dis quelque part, si c'est quelqu'un. Qui me permettent justement de me représenter quelque part dans ce qu'il écrit, ben j'aurais plus facilité finalement à ouvrir le bouquin et à m'intéresser par rapport à ce qu'il propose. Ces critiques littéraires de la télé, est-ce que c'est des critiques littéraires? Enfin, qui sont-ils pour. Tu vois, c'est comme quand tu vois les rappeurs à la télé qui défendent un album et on leur pose des questions, c'est pas des rappeurs et c'est pas des gens qui écoutent du rap. De quel droit ces personnes-là sont mises en avant pour être jugées? Le rappeur, il écrit ce bouquin et ça peut. Ne serait-ce que faire évoluer les canons. Et qui a le droit de d'écrire et de publier et de raconter des histoires? Maintenant, il y a des choses que je comprends et que je ne comprends pas. Parce que c'est ça qui est bien dans ce livre. Il y a trois choses à faire avant de partir. C'est une ambiance assez familiale, qui est propice à l'échange, à la discussion. J'ai lu le bouquin, j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait aussi d'avoir Diziz pour discuter du bouquin nous a vraiment permis d'apporter une analyse intéressante, d'avoir une bonne discussion. Et fréquenter peut-être davantage ce club de lecture. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément des gens qui ont le carton de critique littéraire ou des ça qui sont aguerris à ce genre de choses. C'est juste des gens de tous les jours qui prennent un bouquin et voilà. Et c'est vraiment intéressant.